La guerre. La guerre ne meurt jamais. En 1945, mon arrière-arrière-grand-père qui servait dans l'armée se demandait quand il retrouverait sa femme et son fils qu'il n'avait encore jamais vu. Son souhait a été exaucé lorsque les Américains ont mis fin à la Seconde Guerre mondiale en lâchant des bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki. Le monde croyait courir à sa perte, mais en réalité, un miracle s'est produit. Nous avons commencé à utiliser l'énergie atomique à des fins différentes, comme source d'énergie presque illimitée. Nous avons alors eu accès à une technologie qui semblait relever de la science-fiction. Des robots domestiques, des voitures équipées de moteurs à fusion et des ordinateurs portables. Mais au 21e siècle, le rêve américain s'est dissipé. Toutes ces années de consommation de masse ont entraîné une pénurie généralisée de matières premières. Le monde entier est tombé en ruine. La paix n'était plus qu'un lointain souvenir. Nous sommes en l'an 2077, à l'aube d'une guerre totale. Et j'ai peur. Pour moi. Pour ma femme. Pour mon fils qui vient de naître. Car s'il y a bien une chose que j'ai apprise à l'armée, c'est que la guerre ne meurt jamais. L'éventualité d'une catastrophe nucléaire, vous pourriez être amené à devoir reconstruire notre grande nation. C'est pourquoi Voltech vous a préparé cette documentation éducative afin de vous aider à mieux comprendre les 7 attributs majeurs qui font de vous quelqu'un de spécial. Aujourd'hui, nous allons parler de la force. Dans les terres désolées, les provisions vitales sont rares. Lorsque vous trouvez un objet de valeur, protégez-le de ceux qui pourraient vouloir le voler. Plus votre force est grande, plus vous pouvez transporter de choses. Apprenez à connaître vos limites, ou vous pourriez avoir du mal à réchapper aux situations périlleuses, quelle que soit votre puissance. Il se peut également que vous vous retrouviez face à des individus peu recommandables. Dans ce genre de situation, vous devrez apprendre à vous défendre en usant de votre force naturelle. Utilisez un objet tranchant ou assez robuste pour donner des coups. Sachez faire preuve de créativité, mais restez raisonnable. Et cherchez tout ce qui peut décupler votre force innée. Plus votre force est élevée, plus l'impact inflige de dégâts. Mais n'oubliez pas, parfois, les muscles ne suffisent pas. Cela étant, n'arrêtez pas les pompes pour autant, car la force a bien d'autres utilités. Pour frapper un grand coup comme les pros, fabriquer de l'équipement de protection spécialisé et des armes ingénieuses, consultez régulièrement la documentation fournie par Voltech pour préparer au mieux votre survie et répondre à la question: qu'est-ce qui fait de vous quelqu'un de spécial? Dans l'éventualité
l'éventualité d'une catastrophe nucléaire, vous pourriez être amené à devoir reconstruire notre grande nation. C'est pourquoi Voltech vous a préparé cette documentation éducative afin de vous aider à mieux comprendre les 7 attributs majeurs qui font de vous quelqu'un de spécial. Dans ce chapitre, nous allons parler de la perception. Aussi regrettable que cela soit, la surface regorgera certainement d'individus mal intentionnés et d'autres dangers post-nucléaires. Ces menaces terrifiantes se déclineront sous de nombreuses formes et compromettront toute votre survie. Il sera nécessaire d'apprendre à négocier ces périls. Mais vous pourriez rencontrer des difficultés au début. C'est pourquoi nous avons inventé pour vous le système de visée assistée Voltech ou SVAV. Il analyse votre cible et vous indique ses points faibles. Et plus votre perception est élevée, plus vous êtes précis. Le nouveau Davy Croquette, c'est vous. Il vous sera peut-être parfois nécessaire de vous adonner à des activités discutables. Votre perception peut contribuer à votre protection dans ces instants moralement ambigus. Exercez vos talents de pickpocket sur les plus jeunes. Les vieux ou les handicapés. En volant de succès en succès, passez à des cibles plus difficiles et à des techniques plus élaborées pour de meilleurs résultats. Mais attention à l'excès de confiance. Apprenez à développer vos 5 sens, car la perception ne s'arrête pas là. Elle permet de jauger au mieux autochtones et environnements hostiles, manipuler les explosifs, entretenir des relations à distance, consulter régulièrement la documentation fournie par Voltech pour préparer au mieux votre survie et répondre à la question « Qu'est-ce qui fait de vous quelqu'un de spécial ?» L'éventualité d'une catastrophe nucléaire, vous pourriez être amené à devoir reconstruire notre grande nation. C'est pourquoi Voltech vous a préparé cette documentation éducative afin de vous aider à mieux comprendre les 7 attributs majeurs qui font de vous quelqu'un de spécial. Aujourd'hui, nous allons parler de l'endurance. Nous nous retrouverons tous face à de nouveaux périls en matière de santé, telles que les infections, les amputations violentes et surtout les radiations nocives. Heureusement, votre endurance hors du commun a transformé votre organisme en une véritable machine, capable de résister aux effets néfastes des radiations et de la violence physique. Mais comme toute machine, vous devrez entretenir votre corps pour qu'il continue de bien fonctionner. Les gens normaux pourront survivre en mangeant de vieilles rations, mais un athlète comme vous aura besoin de chair fraîche. Il est possible que vos aliments grossissent sous l'effet des radiations, ce qui vous fera d'autant plus à manger. Attention tout de même à ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre. L'endurance peut aussi vous offrir de nouveaux choix alimentaires, dont certains ne seront pas forcément du goût de tout le monde. Faire du sport pour le plaisir, c'est terminé. Il vous faudra plutôt combiner l'athlétisme pur à des activités plus spécifiques à la survie. Plus votre endurance est élevée, plus vous pourrez courir longtemps. Soyez simplement attentif à ce qui vous entoure. En améliorant votre endurance, vous découvrirez rapidement les bienfaits qu'elle peut avoir pour la vie à la surface. Confiance décuplée à la piscine. Membres plus forts et résistants, profitez de la chair de son prochain. Consultez régulièrement la documentation fournie par Voltech pour préparer au mieux votre survie et répondre à la question « Qu'est-ce qui fait de vous quelqu'un de spécial ?»
l'éventualité d'une catastrophe nucléaire, vous pourriez être amené à devoir reconstruire notre grande nation. C'est pourquoi Voltech vous a préparé cette documentation éducative afin de vous aider à mieux comprendre les 7 attributs majeurs qui font de vous quelqu'un de spécial. Et maintenant, le charisme. En quoi consiste-t-il au juste ? Contrairement à l'Amérique saine et respectable que vous avez connue, les terres désolées seront un endroit dangereux, peuplé d'individus peu recommandables aux mœurs douteuses. Gagner la confiance d'autrui est souvent vital pour survivre, même si trop de gens l'oublient. L'un des moyens de gagner la confiance des autochtones est le commerce juste et équitable. Votre fameux charisme vous aidera à réaliser de meilleures affaires. Mais ne soyez pas trop cupide. Utilisez votre nature affable pour vous en sortir par la négociation dans les moments tendus. Avoir des amis est toujours une bonne idée. Comment vais-je faire pour me faire des amis, vous demandez-vous? Qui sait? Un cocktail improvisé vous aidera peut-être à nouer des relations. Votre charisme vous permettra d'éviter les périls de la dépendance, mais pas les effets immédiats de l'abus de boisson. Alors buvez avec modération, ou vous apprendrez à vos dépens qui sont vos vrais amis. Vous verrez que même les animaux peuvent être charmés par votre charisme. On dirait que vous vous êtes fait un nouvel ami. Oh, du calme, mon grand. Comme vous le voyez, l'approche charismatique ne se résume pas à avoir de bonnes manières. C'est aussi faire équipe avec le meilleur ami de l'homme, avoir des compagnons plus loyaux, convaincre les autres d'agir à votre place. Consultez régulièrement la documentation fournie par Voltech pour préparer au mieux votre survie et répondre à la question « Qu'est-ce qui fait de vous quelqu'un de spécial ?» Dans l'éventualité d'une catastrophe nucléaire, vous pourriez être amené à devoir reconstruire notre grande nation. C'est pourquoi Voltech vous a préparé cette documentation éducative afin de vous aider à mieux comprendre les 7 attributs majeurs qui font de vous quelqu'un de spécial. Nous allons maintenant évoquer l'intelligence. On parle si souvent de survie physique dans les terres désolées qu'il est facile d'oublier que parfois c'est la loi du plus malin qui prime. Un esprit vide ne demande qu'à être rempli. L'intelligence est la clé qui vous ouvrira de nombreuses possibilités et vous aidera à vous adapter au nouveau monde de la surface. Vos connaissances avancées vous aideront à accéder à de nouvelles zones et à de nouvelles technologies. Vive le progrès, n'est-ce pas ? Les survivants malins sont aussi plus inventifs et capables de créer eux-mêmes des merveilles technologiques. Remarque, dans science, le S veut dire sécurité. Et quand les événements prennent une tournure fâcheuse, n'hésitez pas à mettre votre intelligence au placard pour faire confiance à votre instinct de survie. Veillez juste à ne pas perdre la tête. Une intelligence supérieure peut offrir bien d'autres avantages dans notre merveilleuse époque moderne. Voyagez plus facilement grâce à la technologie. Arrêtez les hémorragies grâce à des soins. Créez des composés chimiques plus puissants. Consultez régulièrement la documentation fournie par Voltech pour préparer au mieux votre survie
et répondre à la question « Qu'est-ce qui fait de vous quelqu'un de spécial ?» D'une catastrophe nucléaire, vous pourriez être amené à devoir reconstruire notre grande nation. C'est pourquoi Voltech vous a préparé cette documentation éducative afin de vous aider à mieux comprendre les 7 attributs majeurs qui font de vous quelqu'un de spécial. Parlons maintenant de l'agilité. Une explosion nucléaire et ses retombées radioactives auront un impact profond sur la vie telle que nous la connaissions. Une exposition intensive et prolongée aux radiations risque de transformer les humains de la surface en créatures putréfiées et déliquescentes, dénuées de toute capacité de raisonnement. Ces êtres sont souvent incapables de se tenir et prompts à la colère. Il est essentiel d'apprendre à tirer le meilleur parti possible des armes à feu disponibles. Mais pour cela, l'enthousiasme seul ne suffit pas. Recommençons. Et n'oubliez pas que votre agilité sans pareil peut être d'autant plus décisive en mode SWAV. Vous voyez, c'est un jeu d'enfant. L'agilité peut également vous aider dans les situations délicates. Mais pourquoi vous imposer un stress superflu? Préférez une approche plus subtile. La discrétion mérite toujours d'être prise en considération. Votre agilité peut changer une simple attaque surprise en manœuvre tactique élaborée. Mais n'oubliez pas que les autres pourraient avoir la même idée. Votre agilité vous aidera à évoluer aisément dans les terres désolées, tout en vous conférant d'autres avantages. Attaquez une cible endormie. Rechargez rapidement votre arme à feu. Infligez des dégâts à des cibles supplémentaires. Consultez régulièrement la documentation fournie par Voltech pour préparer au mieux votre survie et répondre à la question « Qu'est-ce qui fait de vous quelqu'un de spécial ?» L'éventualité d'une catastrophe nucléaire, vous pourriez être amené à devoir reconstruire notre grande nation. C'est pourquoi Voltech vous a préparé cette documentation éducative afin de vous aider à mieux comprendre les 7 attributs majeurs qui font de vous quelqu'un de spécial. Avez-vous votre patte de lapin porte-bonheur? Alors parlons de la chance. Parfois, la seule différence entre la vie et la mort dans ce monde post-nucléaire est le fruit du hasard. La chance est une chose des plus étranges. Regardez. Un tir bien placé ne résout pas toujours les problèmes. Mais si la chance est de votre côté, ces instants critiques prendront souvent une tournure avantageuse. Qu'est-ce que cela? Vous ne trouvez que des choses sans valeur? Avec de la patience, vous pourriez éventuellement amasser un joli butin. Mais si vous êtes chanceux, vous ne manquerez pas de trouver des trésors. Non, non, si ça brille, gardez-le. Ça pourrait avoir de la valeur. Mais ne vous laissez pas distraire par votre bonne fortune. Oh, ce n'était pas la seule vermine. Encore une fois, la chance était avec vous. Malheureusement, elle ne pourra pas vous sauver à tous les coups. Mais au moins, votre malchance
pourra faire le bonheur d'un autre. La chance est parfois une maîtresse imprévisible, mais si vous parvenez à l'amadouer, elle vous ouvrira des possibilités illimitées. Un vrai carnage avec un minimum de... Un accès de folie meurtrière qui... La magie de l'inattendu. Consultez régulièrement la documentation fournie par Voltec pour préparer au mieux votre survie. Et répondre à la question, qu'est-ce qui fait de vous quelqu'un de spécial ?